vous savez, Marie, belle de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles. Et le Verbe s'est échappé. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons en vie et pour la vie. Priez. Le Seigneur est bon de grâce, nous avons appris à mourir par la bonne ange. L'incarnation de Christ en Christ. Nous aimons lui par sa passion et par sa foi, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire au Père, célébration, pour pouvoir recevoir le sacrement et
Restituit à tous les habitants de son royaume le
de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leur coutume particulière. Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre. Parmi les Israélites, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent les sabbats. Le 15 du 9e mois de l'année 145, Antiochus éleva sur l'autel des sacrifices le sacrilège dévastateur. Et dans les villes de Juda, autour de Jérusalem, ses partisans élevèrent des autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu après les avoir lacérés. Et si l'on découvrait que quelqu'un, chez quelqu'un, un livre de l'Alliance, si quelqu'un continuait à suivre la loi, le degré du roi le faisait être un homme. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et ne pas profaner l'alliance sainte. Et de fait, ils moururent. C'est ainsi qu'une terrible colère s'abattit sur Israël. Parole du Seigneur. Acclamons la bonne nouvelle du Seigneur.
Jésus est en marche de Jérusalem. Il va donner sa vie. Pour que nos péchés soient pardonnés. Et une grande foule de soucis avec ici. Voilà Jérusalem. En chemin, Jésus s'arrête à Dieu de moi pour leur dire. Et c'est de la troisième fois, avant ce passage, où il leur dit, là, Jérusalem, il va y mourir. Mais ceux qui veulent ne comprennent pas cela. Parce qu'ils s'imaginaient que Jésus va à Jérusalem pour prendre le pouvoir, dominer Israël, et chacun qui allait avec ses propres ambitions. Certains pensaient que en allant, vont occuper les propres feuilles ministérielles. Certains vont avoir un pouvoir de Jésus. Mais c'est là. Chacun y va avec ses ambitions. Et puis, Jésus, en entrant son petit village de Jéricho, pas loin de Jérusalem, rencontre l'aveugle. Et moi, l'aveugle interpelle Jésus. Et en fait, il est l'aveugle à Jésus. Si ce passe en réalité, il fait tout le sens à chacun de nous. Nous suivons Jésus avec nos propres ambitions. Les ambitions de certains pouvoirs miraculeux, les ambitions peut-être de progrès sociaux. On veut tous, mais on est avec des ambitions. La veuve de mort de la nôtre n'a aucune condition, celle de nous voir. C'était l'homme d'abandonner. Écarté de la société, il ne voit pas, il est assis au bord de la route. Il n'est pas dans la marche. Sa vie est statique. Et c'est lui qui demande à voir et qui crie. Malheureusement, les gens empêchent d'aller à Jésus, en fait. Et dans nos sociétés, n'y a-t-il pas de gens à qui nous empêchons? Les pauvres qui nous embêtent, qu'on ne veut pas écouter. Les gens de notre famille, en disant, qu'on ne veut pas écouter, donc on ne veut pas écouter. Les gens qu'on écarte, qui nous embêtent, qui nous envahissent, qu'on ne veut pas. C'est le jour-ci, quand on a fait des expériences, c'est très difficile, quelquefois, le malheureux, il veut s'approcher à moi et je n'arrive pas. Lui-même, c'est la sœur. Tellement, elle demandait de l'affection, elle demande de l'attention. Et je n'ai pas compris ce temps-là. Et j'avais une honte de la relation de mon père. Et tels sont aussi beaucoup de mots autour de nous. On ne veut pas être. On ne veut pas être. Et dans nos nations, ils sont tous avec nous aujourd'hui, tous ces gens sur la sœur. On ne veut pas accepter, on ne veut pas accepter, on ne veut pas accepter. Vous voyez que l'émotion s'appelle et ces gens se disent, fils de ta vie, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et Jésus dit, pardon. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que je te donne que je passe pour toi? Il dit que je crois. Et il voit et se met en route. Sans doute que dans toute cette foule, c'est le seul qui voit vraiment. C'est celui qui a compris le Christ et qui se met en route en rendant gloire à Dieu. Les autres ne vont pas en rendre gloire à Dieu. Ils étaient trop dans leurs ambitions et dans leur projet de la société. Ils ne pouvaient pas en rendre gloire à Dieu. Il fallait seulement rendre gloire à Dieu. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour le voir. Pour vivre notre vie, chaque instant de notre vie, en parlant de la Dieu, en lui disant merci de tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, qui est dans la grâce de Dieu. Nous en avons cette grâce pour que vous êtes restés. Pour la vie d'Aristide, nous prierons
Migrants,
Gloire à Dieu, mon Saint. Gloire à Dieu, la Sainte.
Cristo come muore.
Je m'en vais. Seigneur, et avec votre esprit, que Dieu